Je me suis aussi dit. Approchez, approchez. Approchez. Et tu vas prendre. Mais va prendre le retour. Tu les as. Ok, c'est bon. Bien, mes chers amis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point aujourd'hui je suis heureux de vous accueillir dans mon nouveau Brisacum. Cette ville forteresse que j'ai dû faire bâtir sur les ordres de notre roi, Louis Dieudonné le Grand, le 14e, pour renforcer la défense de la frontière du Rhin, par là derrière, après la perte du Brisach et des Autrichiens. Pourquoi le nouveau Brisach? Eh bien moi, monsieur de Vauban, imaginez-vous qu'en 1648, à la signature du traité de Westphalie qui met un terme à cette guerre épouvantable qui enflamme et ensanglante toute l'Europe et qu'on appelle la guerre de 30 ans, Brisacum, de l'autre côté du Rhin, devient français, au même titre que Kiel face à Strasbourg et d'autres villes rhénanes. Si bien que le Rhin n'est plus frontière, le royaume s'est élargi sur l'Est et quasiment jusqu'à Fribourg. Seulement voilà, en 1664, le roi m'envoie fortifier Brisacum selon ma toute nouvelle expérience de jeune ingénieur du roi. 1664, c'est un millésime que vous connaissez. Oui. C'est l'année où Jérôme Hatt, qui vient d'obtenir son diplôme de brasseur, va percer son premier tonneau de bière à la brasserie du Canon à Strasbourg. Eh bien cette année-là, donc, je vais conforter les fortifications de Brisacum. Et nous avons beaucoup de chance parce que c'est une place inestimable pour la couronne, étant donné que Brisacum, le mons Brisacum des Romains, est perché sur un roc. Le Rhin contourne quelque peu à cet endroit et nous donne un point de vue considérable sur tout le Val du Rhin et vers la Suisse, de même que vers les Vosges. Alors c'est considérable d'avoir cette place. Et Brisacum sera donc français jusqu'en 1697, à la signature de la paix de Ryswick, où là, nous devons rendre aux Autrichiens, qui sont nos ennemis jurés, bien sûr, depuis longtemps, nous devons leur rendre Brisacum et les possessions acquises en 740. Alors on doit se dessaisir de Brisacum, le Rhin redevient frontière, et à partir de ce moment-là, on n'a plus de défense sur le Rhin que le petit fort Mortier. On a fait raser aussi la ville Neuf-Saint-Louis, la ville de Paille qu'on avait dû faire construire pour abriter le surplus de population qui était venue repeupler Brisacum. Il nous faut démanteler tout cela. À cet endroit, aujourd'hui, vous avez un petit lieu dit qui s'appelle la ville de Paille, près de votre actuel port rhénan, et qui était une ville fantôme, aujourd'hui une ville fantôme que vous avez là. Il reste quelques maisons, vous les rebâties, le lieu dit a gardé son nom. Donc nous nous décidons de tout cela, et c'est là où le roi va me demander de construire une nouvelle contre-forteresse face aux Brisacum des Autrichiens perdus, et c'est ici, sur un léger dôme caillouteux qui domine légèrement les marécages qui descendent vers le Rhin, je vais choisir cet endroit pour y bâtir mon dernier chef-d'œuvre, en disant l'ultime aboutissement de mon génie, d'après ce que disent vos historiens, moi je veux bien, mais si je n'ai dû faire que ce que je pouvais faire, nous sommes en pleine, cette fois je ne suis plus sur une situation dominante, et je n'ai pas d'autre choix que de faire une forteresse en étoile. L'ennemi peut attaquer par tous côtés. Mais en plus de cela, je dois cacher la forteresse à l'ennemi, il y a une forteresse également enterrée, à feu rasant. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants lorsque nous serons dans le fossé. Cela dit, pour l'heure, nous sommes au centre de la place, sur la place d'armes, la place qui est de forme carrée, qui servait au rassemblement des soldats pour les exercices, les parades militaires, sous les yeux du gouverneur, dont le palais est ici, là derrière, cette grosse bâtisse, quelque peu remaniée suite aux destructions. Autour de la place, on y met les édifices principaux, comme quelques hôtels pour les commandants, les capitaines. Ici, nous avons la maison des lieutenants du roi. Là-bas, une demeure de capitaine avec le portail des ports, encore ici. À l'arrière, nous avons l'arsenal, donc il ne reste plus que le portail. Il y a eu des destructions. Malheureusement, je n'y pouvais plus rien, mais j'ai conçu la forteresse pour l'armement de notre époque. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, ces messieurs les Prussiens, les Allemands, reviendraient avec des canons beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, qui projetteraient cette fois des obus, qui éclateraient en ville et à bonne distance en passant par-dessus mes murailles. Des tirs paraboliques. Ce qui fait que, quel était le but qu'ils recherchaient, et c'était tout à fait stratégique, à leur place j'aurais fait de même, c'était d'aller frapper l'intérieur de la muraille opposée, de manière à frapper dans les casernements, dans les réserves de poudre, de munitions, etc. Voyez-vous, c'est pour ça que la ville, au cours du siège de 1870, novembre 1870, aura beaucoup pâti de ces démolitions. Et puis un peu plus tard, je ne pouvais pas prévoir que dans votre monde à vous, ce dernièrement, la Deuxième Guerre mondiale, comme vous dites, je ne pouvais pas prévoir que les chaises volantes, cette fois, bombarderaient et jetteraient leur feu destructeur depuis le ciel. De même que les canons qui sont devenus automobiles, comme vos calèches automobiles d'ailleurs, aussi, vous avez des choses qui se déplacent toutes seules ou presque, avec un seul cocher, souvent. Mais quel monde étrange que celui dans lequel vous vivez!